C'est l'histoire, elle est particulière parce que c'est un amour impossible, un amour interdit. Et en fait, dans cet autre amour, je raconte l'histoire d'une femme qui, à la suite d'un traumatisme, d'un choc, en l'occurrence, elle pense voir son mari mort, elle le croit mort pendant plusieurs longues minutes, et dans un tel état de sidération qu'elle a besoin ensuite de voir quelqu'un parce qu'elle ne va pas bien du tout. Et elle entreprend, presque malgré elle, de manière presque passive, elle entreprend une psychanalyse. Et très vite, se met en place, malgré elle, je dirais à son insu, elle va tomber amoureuse, passionnément amoureuse de cet homme, de ce psychanalyste, avec qui évidemment toute relation amoureuse est totalement interdite. Et elle ne sait pas du tout ce qui lui arrive, elle ne comprend pas. Et elle se rend compte petit à petit que cette façon d'être, de tomber en amour de cet homme, s'appelle en réalité le transfert en psychanalyse, et que c'est un phénomène non seulement naturel, normal, mais même souhaitable, parce que c'est à partir de la teneur de ce sentiment, qu'il soit amoureux ou pas, mais de ce transfert-là, que le patient, la patiente, va travailler avec son psychanalyste. Et ce que j'ai voulu raconter, moi, ce qui m'intéressait, c'était pas de faire un essai sur la psychanalyse. Ce qui m'intéressait, c'était cette histoire d'amour. Comment ce sentiment amoureux, qui est absolument phénoménal, bruyant, qui obsédait, qui habitait la narratrice, je voulais explorer ce sentiment amoureux très particulier, qui lui donnait autant de bonheur qui la faisait aussi beaucoup souffrir, à la fois parce qu'elle se sentait coupable d'aimer cet homme, de ne penser qu'à lui, que ses rêves soient traversés de désir pour lui, et en même temps, elle avait envie de comprendre ce qui lui arrivait. Voilà. Donc cet autre amour raconte, c'est une histoire d'amour, vraiment. Et en même temps, c'est un petit peu, à travers cette présentation du transfert, c'est quand même un petit peu une façon de montrer, de dévoiler, non pas la cure, non pas le contenu de la cure et ce qui se dit dans la cure spécifiquement, mais surtout de montrer ce lien qui existe et qui est absolument d'une humanité et d'une force incroyable, de manière générale, entre un patient et son psychanalyste. C'est vraiment ça. C'est-à-dire que la narratrice, qui est romancière en plus, qui me ressemble un peu, découvre quelque chose qu'elle ne connaissait pas, découvre ce qu'elle appelle une quatrième dimension affective, c'est-à-dire, une forme d'amour amoureux, plein de désirs, mais dont elle ignorait tout. Voilà. Et elle se dit, et je me suis dit, qu'en tant que romancière, je ne pouvais pas passer à côté d'une histoire comme ça, je ne pouvais pas ne pas faire part au lecteur de cette dimension-là d'une histoire d'amour. C'est parce que ce n'est pas une histoire d'amour totalement classique. Bien sûr, dans la littérature, il y a des histoires d'amour impossibles. Celle-ci en fait partie. Et c'est peut-être parce qu'elle est impossible que cette histoire d'amour est si forte aussi. Et je pense que j'ai fait véritablement un éloge de la psychanalyse, mais non pas parce que je me suis... j'ai eu la posture d'une quelconque militante ou défenseuse de la psychanalyse. Bien sûr, je sais que la psychanalyse, et j'avais entendu que la psychanalyse avait été beaucoup décriée, attaquée ces dernières années. Bien sûr, je le savais. Mais moi, je suis venue dans cette expérience de manière très... avec beaucoup de crédulité, beaucoup d'ignorance, beaucoup de naïveté. Et j'ai découvert, en dehors du transfert, j'ai découvert quelque chose de fabuleux. La psychanalyse, pour moi, est une aventure intellectuelle et humaine qui est extraordinaire. Et je suis ravie de pas, d'avoir connu ça avant de mourir. Et de connaître ça avant de mourir. Je vais être une grande militante de la défense de la psychanalyse. Enfin, alors, la psychanalyse, je ne sais pas si on peut en faire une généralité. Il y a aussi le psychanalyste,
qui compte beaucoup. La qualité de la psychanalyse, la profondeur de la psychanalyse, ce que la psychanalyse apporte au patient est également, repose beaucoup sur la qualité du psychanalyste, sur son humanité, sur son écoute, sur un tas de choses, sur cette relation qui s'opère justement. Mais oui, si j'ai pu, sans le vouloir, vraiment participer à ma façon et non pas réhabiliter, mais en tout cas dire vraiment la psychanalyse, ça peut être une aventure, c'est une aventure humaine magnifique, je suis ravie de l'avoir fait, vraiment.